mythologie. Quelle barbe! Vous connaissez? Ah oui, moi je connais, mais c'est pas de la mythologie. C'est un opéra. Une opérette, musique originale, frère. Sur un texte de Jean-Luc Moreau. Gloire, gloire, gloire à Thésée. Le vaillant, le fort, le rusé. Pour ses hauts faits, pour son courage. Il recueille tous les suffrages. Gloire, gloire, gloire à Thésée. Le vaillant, le fort, le rusé. On l'acclame de tous côtés. C'est le chouchou de la cité. Un message pour toi. Minos.
bien fait, hein. On comprend que c'est léger. Il est avec sa mère, loin d'ici, et il ne reviendra pas. Et c'est tant mieux pour son papa. Sont désormais mes frères et mes sœurs. Je dois partager leur sort. Les malheureux, ils rêvent de voyager. Ils ne savent pas ce qui les attend. On leur a parlé de classe de mer, d'un pays pittoresque, où le roi est pressé de les voir. Ils ignorent qu'ils ne reviendront pas. Ils reviendront. Nous reviendrons tous, sains et saufs. Lui, c'est Thésée. Puissent les dieux t'entendre, Thésée, là-bas. Si tu reviens, fais hisser la voile blanche. Je saurai que tu es vivant. Je descendrai sur la plage à ta rencontre. Mais d'ici là, je ne peux que prier les dieux, tous nos dieux. Et Dionysos, cela s'entend. Ah, Dionysos, un type épatant. Il est là, le bateau prétoire. C'est une galère magnifique. Dans mon palais, comme dans...
des prénoms crétois, de vrais noms de charlatanes, et qui semblent faits pour toi. Nous embarquons pour la Crète, tête haute et haut les mœurs. Nous y ferons des conquêtes, et nous reviendrons vainqueurs. Nous embarquons pour la Crète, tête haute et haut les cœurs. Nous embarquons pour la Crète, tête haute et haut les cœurs. Nous y ferons des conquêtes, le cœur en fête, et nous reviendrons vainqueurs à nos vieux parents. Nous embarquons pour la Crète, tête haute et haut les cœurs. Et l'on ira, nous embarquons pour la Crète, tête haute et haut les cœurs. Oh, mon peuple, prions les dieux.
morte de peur, c'est vrai. Mais se sentir renaître, quand un certain jeune homme descendit sur le quai. Minotaure.
et ses minos. Je n'y peux rien, Ariane. Nos dieux l'exigent. Le Minotaure a faim. Il jeûne depuis si longtemps. Et voilà. Qu'ils entrent. Entrez, entrez, mes enfants. Entrez, soyez les bienvenus. Papa. Les bienvenus dans notre beau royaume. Mais papa. Tais-toi, Ariane. Quand ton père parle, tu ne l'interromps pas. Notre belle île de Crète, dont nous sommes fiers. Et dont vous découvrirez un peu les beautés. On nous a parlé dans labyrinthe. Il est au programme. C'est un piège, moi, je vais vous dire. Et un minotaure. Pas minot, minot. Un minotaure, ça n'a rien dans l'antimatou. Tais-toi, Ariane. Gars, emmenez-la. Lequel d'entre vous est le fils d'Égée? C'est moi. Je m'appelle Thésée. En tant que fils de roi, permets-moi d'entrer dans le labyrinthe. Et... d'y entrer seul. Est-ce du courage, est-ce de l'inconscience? Je te trouve bien présomptueux. Tu sais, ta vie ne tient désormais qu'à un fil. Je te l'accorde. Allez, garde, conduisez-les pour la nuit dans la prison du palais.
veux t'aider. Que veux-tu dire? Je ne suis pas ton ami. Entre le Minotaure, le pourras-tu baiser? Le pourras-tu sans armes? Des armes pour quoi faire? Je n'en ai pas besoin. Pour me tirer d'affaire, c'est assez de mes points. Sur le monstre aisé, si vraiment tu l'emportes, ce n'est pas tout aisé. Il faut que tu ressortes. Sur le monstre aisé, si vraiment tu l'emportes, ce n'est pas tout aisé. Il faut que tu ressortes. Et pif, et pouf, se prend des roues sur le mur.
notre Thésée. Il va retrouver la lumière en suivant d'Ariane le conseil avisé. Cette pelote, il importe en rebroussant chemin, cette pelote, il importe de la tenir bien en main, bien en main. Et ce fil, pour jusqu'à la porte m'acheminer, et ce fil, il me suffit de le rembobiner. Thésée, je t'attendais. Tu m'attendais? Je t'attendais depuis toujours. Je savais qu'il fallait attendre, que l'amour viendrait me surprendre, et qu'un jour ce serait mon jour. Je t'attendais. Aller à ton père d'abord, hein? Ah oui, mais si on lui demande s'il fait un enlèvement, c'est vachement moins rigolo. La salle du trône, dans le palais de Minos. Merci à toi, Thésée. Merci.